Bon. Eh non, mais ils sont sérieux, Twitch? Je suis en live et on me host quelqu'un, jamais. Ça me saoule. En vrai, oui, non, mais. Et d'ailleurs, il y a la VOD. Bonjour la VOD, je règle des problèmes de stream. En fait, vous voyez le chat. En stream, on ne me voit pas. Pour tout vous dire, en stream, on ne me voit pas. Je suis bien en live, il n'y a pas de problème. Ah là là. Donc là, en fait, je suis en train de régler les problèmes. Donc là, en fait, j'essaie de couper les hosts auto, donc chaîne et vidéo. Ah. RG. Hop. Ah, j'arrête l'hébergement. J'ai arrêté l'hébergement. Normalement, je suis revenu. A priori, je suis revenu. Est-ce que vous pouvez le confirmer dans le chat? Press F on the chat, please. Alors, par contre, c'est vraiment relou, cette histoire-là de Twitch qui host auto alors que je suis en ligne, quoi, techniquement. Un peu relou en fait. Alors, normalement c'est revenu. Ah. Y a plus personne dans le chat qui parle. Vous pourriez me confirmer au moins? D'accord, il me dit deux spectateurs d'un côté, six de l'autre, trois. Ah oui, d'accord, en fait, c'est que j'ai plus personne. C'est cool. Merci. Merci Twitch.
Vraiment, alors là, je n'explique pas. J'ai pas eu de bac de co. Salut Angèle. J'ai pas eu de bac de co, donc je ne sais pas du tout pourquoi Twitch me casse les couilles. Vraiment. Là, c'est... Ouais, mais c'est relou. Enfin... C'est relou. Faut checker leur Twitter. Mais je suis pas sur Twitter, là, monsieur. Je suis en stream. Je vais aller voir. Twitch. Je crois que je les follow. Je les follow, pourtant. Je n'ai même pas vu passer dans ma TL. D'accord. C'est marrant, c'est que vous me voyez en fait. Quand je lis, je fais avec la souris. Ah mais c'est un problème qu'ils ont déjà eu le 27 janvier. Ah, c'est relou. Bon. On a réglé le problème normalement. Hein. J'ai viré les hosts. Je hoste plus personne automatiquement. Au moins, je suis tranquille. Comment allez-vous? Comment est-ce que vous allez, messieurs, dames? Mesdames et messieurs. En plus, tu m'as dit non, pas du tout, Alka, je t'ai envoyé un screen qui prouve que moi, j'ai bien lancé de mon côté. Bon, on va essayer de faire un truc cool hein, quand même. Dans l'idée, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était bah, déjà essayer d'avoir des réseaux sociaux un peu plus visibles. Je pense qu'on va... Oui, non, mais moi, j'avais lancé le live, si tu veux, Alka. C'était dans ce sens-là que je t'avais envoyé le screen. J'aime bien la liste, le nombre de viewers qui est totalement incohérent. Sous le stream, dans la vue modérateur, j'ai 10. Quand je survole le stream, j'ai 2. Dans mon truc... Comment ? Gestionnaire de stream, j'ai 2. What the fuck? Ouais, non, mais voilà, enfin, faut pas chercher. Si tu survoles le stream, t'auras peut-être le joue à Science et Techno pour 2. Bref, le but, ça va être de modifier un peu les couleurs. Là, on a fait, en gros, hein, on n'a pas tout fait. Je pense que l'accueil, en vrai, l'accueil, ça sert à rien ici. Est-ce que l'accueil sert à quelque chose, sachant qu'en cliquant sur le logo, tu reviens à l'accueil? Pour moi, non. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Donc... Alors, j'adore le bleu, hein, y a pas de souci, mais j'ai pas envie d'avoir un truc bleu. Merci, Angèle. Pas spécialement envie qu'il soit bleu. Je sais pas pourquoi. Je vous remets l'aperçu. Hein. Bon, à la base... Oui, non, c'est vrai, je vais... J'aimerais rester dans des teintes comme l'aperçu. Évidemment, ça sera... Ah, j'ai oublié de mettre le Discord en haut. Salut Anita, j'ai oublié de mettre le Discord là. Bon, déjà, première question. On va faire un pôle. Non, attends, vous êtes 10. Vous êtes 10, on va pas faire un pôle.
Est-ce que le bouton accueil là sert à quelque chose, sachant qu'en cliquant sur le logo, on vient sur l'accueil? Hop, hop, c'est la doc. Là. Alors, Discord, ça va être un link. Ah oui, j'ai juste à mettre le Discord GG. Twitter, par exemple, a un bouton accueil Twitch, non. C'est-à-dire. Ah oui. Ouais, il y en a qui l'ont, d'autres non. Ouais, c'est vrai. Ah! Allez, d'accord, t'es comme ça, toi. Ok. Ah, je suis en insert, ok. Hop, Ah oui, le other, je ne l'ai pas modifié. Réseau, je l'ai appelé. Je vais lui mettre de link, du coup. Oh, je suis... Pas de link, on a dit. Là. Hop. Voilà, ça va nous envoyer directement sur le Discord. En vrai, l'accueil, oui, ça sert à rien. L'accueil. Ouais, non, si je veux le commenter en masse, je vais aller sur. Hop. 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 Ah, ça me décale pas le menu pour autant. Ça, après le menu, je le décalerai. Et on va aller dans Socials. Et on va ajouter, et il va me falloir le SVG de Discord. Alors le SVG de Discord. Discord. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut le thème. Discord. Hop, on va aller le récupérer dans le menu. Hop. Ah. Bah, il me faut juste. Laisse récupérer le SVG pour le mettre. Main taf. Ah yes. Ok, pas de soucis, Alka. Ouais, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'il disait, hein, c'est pas grave.
Allez, trouve-moi, donne-moi un de un SVG. Alors, ça me saoule. Alors, c'est le fil. Alors, zéro 48 le vieux box. Et normalement, si et que je refresh. Ah. Comme qui dirait un petit bug. Ah ouais, mais là, du coup, j'ai un bug. Alors. Ah oui, parce que j'ai pas la mise en page. Effectivement, il manque des trucs. Les métadatas. Voilà. Il n'est pas très gros. Hein. Il n'est pas ouf en vrai. On va récupérer un autre. Il est pas ouf. Va prendre le classico, hein, tant pis. Alors, paf. Hop. Alors.
Pop, pop, pop. On va mettre un stroke et un classe. Perfect. 20, 20. Ouais, ça marche. Ça marche. C'est propre. Ah là là. Bon, du coup. Ah oui, on a ce problème-là à régler aussi qui est cet auteur-là. On va régler ça déjà. Donc, je trouve où ça se fait. Bah, en fait, ça va se faire dans la CSS. MT. Ah. Oh. Ah d'accord, ok. Si tu veux, bah, on va chercher dans le folder mt-16. Alors, Tailwind CSS, ok. Alors, hop. Ah, il y a un 24, ok. J'ai même pas besoin de m'embêter. Un 24 qui existe, ça on va le virer. Hugo Darius. Non, c'est pas une menu YAML, c'est tout ça. Il est où mon MT-16? Pas dans Record. Voici, ça doit être ça. Donc là, on remet en 16. C'était où? Ah, je suis peut-être pas dans le bon. Ah, le cache. Salut, Captain. Attendez. Mais non, je suis pas dans le bon. C'est là. Ah, ok. Dans le thème base 21. Je veux pas celui-là. Thème base 2021. Non. Je veux le même, mais dans. Thème vidéo. Ok. Donc, il faut que j'aille dans Record Twig. Mais ok. Voilà. Ah, voilà. 24. Voilà. Ah non, la transi est pas ouf. 28, je crois que j'ai vu dans le... Il y a 32. Ah, mais c'est 8 après. C'est peut-être beaucoup en vrai. Ouais, c'est trop. 32, c'est trop. Donc, il va nous falloir un intermédiaire. On va le créer. Hein. Ça, c'est pas le bon.
Donc, on va se faire un intermédiaire à 7. Alors, ça y est, je suis perdu. Là, ça va être. Sept et 7. On va le passer en 28. On voit quasiment pas de diff, hein. On voit quasiment pas de diff. Ah merde, pardon, vous voyez pas vous. C'est quand même mieux, hein. Quand même vachement mieux. Alors, maintenant qu'on a réglé ce problème-là, le fusil. Coucou Crétinus. Oui, Insta, va falloir que. Mais après, déjà, on va travailler. On va travailler sur la charte graphique aussi. Hein. Je vous rappelle que de base, les couleurs que je veux pour le site sont celles-ci. On n'aura pas le rendu que je voulais avoir parce que, en fait, j'ai pas envie de m'embêter Pas envie de m'embêter. Et dans l'idée, les couleurs, ça va être ça. En fait, le style de base qu'ils ont mis dans Bolt est super sympa. Donc, pourquoi pour l'instant, j'ai pas l'intention de tout refaire. Après, sachant qu'on a encore deux sites à faire, pour moi, va pouvoir potentiellement faire un truc sympa. Pour le deuxième, je vais avoir un truc un peu plus travaillé. Je vais travailler un peu plus le thème. Donc, dans l'idée, élément. Bref, l'aperçu. Je vais essayer de retrouver. Alors. Border color. Est-ce que j'ai une couleur? J'ai de la couleur. Comment était gérée la couleur l'autre jour? Oui, c'est un flex. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve. Et déjà ça. SVG Viewbox, voilà. On part sur un. Ah si, c'est ça. Alors là. Alors, est-ce que j'ai un autre gestro? Oui, c'est le gradient qui est là. Linear to right.
côté, mais. Ah oui, vous n'avez pas le... Ah voilà, là vous l'avez. Je fais alors 8C, c'est clair. Si je fais un A0... Ah non, ah c'est plus clair, donc ça serait plutôt... Ah non, ça donne moins bien. D'un coup. Alors que je trouve... Alors là, plutôt que d'avoir un 8C, on va peut-être plutôt mettre un tout petit peu plus sombre. 7C par exemple. B. Est-ce que ça va falloir trouver la bonne teinte? Ah, là on arrive sur un truc. Là, plutôt que d'avoir 8 à 0, on va mettre un truc plus clair du coup. Ah! Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ou vraiment on part sur du plus sombre, c'est mieux avant? L'avantage, c'est que j'ai juste à faire F5. Hein. J'ai juste à faire BAM! Sachant que là, on va avoir une autre couleur. En vrai, alors attendez. Une heure pour penser. Ouais, non, mais il y a un moment... Faire d'image, oui. Il n'y a rien, Major Cochonou. Donc en plus, a filé zéro ce mois-ci, donc pas sur moi. Alors, si je prends le plus sombre. Je prends le plus sombre. Alors, de mon truc. Alors, je prends pour modèle les couleurs qu'il y a là-dessus. Hein. Je prends le plus sombre de l'en-tête. Prendre le plus clair aussi. Arriver à un truc sympa. Ah! Ah!
Merci pour le follow. Qu'est-ce que vous en pensez de ces couleurs-là? Je veux pas de bleu. Me dites pas. Ça, on part sur du nuance de gris. Je veux pas de bleu, je veux pas de blanc. À part pour les écritures, mais le fond. Vous me fatiguez, hein. Il n'y aura pas de rose non plus. On part sur du gris. Ouf. Et du bleuge. Tu veux du bleuge? Ah non, du bleuge, pardon. Tu veux du bleuge? Voilà. Nid du bleuge! Voilà, c'est du bleuge. Ah merde. C'est con parce que je peux pas annuler. Ah, là, t'as du bleuge. Bluange. On dit c'est orange aussi. Ah, du bluange. En fait, t'as le bleu. Le blanc rouge. En vrai, est-ce que c'est jouable? Red. En vrai, c'est jouable. En vrai, c'est jouable, c'est le pire. C'est dégueulasse. Mais on fait des tests, hein. Vraiment, on casse tout, on fait des tests. Je peux même mettre du orange à la fin si je veux. Voilà. Même du yellow parce qu'on aura du orange de base. Et en vrai, donnez-moi dans l'ordre les couleurs de l'arc-en-ciel. Et oui, cochonou. RGB, uniquement en faisant RGB, tu crois que j'aurais... Ben non, je pourrais pas. Mais je pourrais faire un RGB. Je peux faire du RGB, hein. Très dégueulasse, mais... C'est des expériences, hein, vous inquiétez pas. Pour les gens qui arrivent, oui. Au pire, vous allez sur Gogol, couleur de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, vert, bleu, violet. Alors, rouge, orange. Voilà. Donc le jaune quelque part quand même. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Et en plus, oui, t'as le aussi. Vous voulez un arc-en-ciel? On vous le fait. Y a pas de problème. Magenta, cyan. Magenta, il va où? En vrai.
Couleur. On peut en faire plein. Hein. Animez, s'il vous plaît. Et vous faire foutre. Non, bah allez, plus sérieusement. Je fais le con, mais... On laisse tout en blanc, comme ça. Après, sinon, je peux faire du clair au... Alors, dièse. Hop. Ah bah faut me donner les codes de couleur, hein, les mecs. Hein. Ah bah bon. Moi j'aime bien ça. Alors, maintenant faut trouver où est-ce qu'il est le linear gradient. Un title là. Après, faut pas oublier qu'en dessous, là, on restera pas blanc. Hein. Faut pas l'oublier, ça, c'est que ça restera pas blanc en dessous. Donc, faut pas partir sur le. Ce que vous voyez avec le blanc. Alors, hop, hop. Hop, merde. Mais ça veut rien dire 543 en web. Même faut les couleurs HTML. Et si je l'ai dit, enfin, quand je dis on va reprendre les couleurs de l'aperçu que je vous ai mis là en dessous de la souris, c'est bien qu'à un moment, on va reprendre ça. En vrai, là, on a dû effacer. Je reprendrais bien lui. Bah, légèrement éclaircir. Attends, hop. Celui du bas, on va prendre celui du bas. Ah ouais, non, c'est pas ouf du tout. On l'éclaircit un peu. Ah oui, non, là on arrive sur un marron dégueulasse. C'est bleu. Le problème est là. On en revient toujours au même problème de je veux du gris.
C'est même pas bleu, c'est marron en web 500. 55, 44, 33. En plus. Les couleurs qui sont sur l'aperçu. En fait, l'idée, c'est vraiment de partir sur sur les couleurs qui sont sur l'aperçu. Ah mais c'est dégueulasse. Par actuel. Une note partir là-dessus. Ou alors partir là-dessus. On va faire des tests. Ouais, mais il rend beaucoup plus sombre que prévu, lui. Ou alors, on part sur un truc comme ça. Je suis pas artiste, hein, je vous l'ai dit. Et why not partir sur un examen. J'ai le footer direct. J'ai pas de contenu. On va revenir sur la page d'accueil du coup. Ah, j'ai tout cassé. Ah mais j'ai pas, j'ai que le header, j'ai pas de contenu. Ah ouais, c'est problématique ça. Mais si, non mais attends, le contenu est là. Non mais oui, non. Et le body est là, donc ça c'est bon. Après, c'est le footer en fait qu'il va falloir regarder. Footer. Classe BG White. Hop. Ah, background. Or. Paf, paf. Voilà. Merci, Darkodo. Ah, je sais pas les... Darkodo, 16e aménage. Merci. Bonsoir, juste de passage, car je galère pour aménage. R un frigo. Bon courage. Puis souris. Qu'est-ce que vous en pensâtes? Après, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas le même rendu sur mon écran de gauche que sur mes deux autres écrans. C'est drôle. Après, il y aura toutes les écritures à changer, je sais. Ah oui, il y aura ça aussi à changer. Et dans... ISS.
Tailwind. Avoir. Alors. Je sais pas la couleur du haut. Après, le problème, c'est le bleu est trop. Le gris bleu est trop bleu. Ça me va pas. Partir sur un truc comme en vrai de vrai ah en vrai je préfère un bon gris à l'ancienne. Salut Sagittarius. Trop. Ah, ça va m'énerver, ça. Oui, je sais, je me prends la tête sur des trucs. Hey mec, t'as pas l'impression qu'on a abusé sur Fantasy? Merci, Messélanie, pour ton raid avec tes 20 viewers. Lui, au moins, c'est un mec important. Kojima. Kojima. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Mais non, patron, toi, t'es comme nous. C'est déjà ce que j'ai hein, de base. Hein, en haut. Il est peut-être pas très souris, mon gris. Tu veux dire éclaircir le gris qui est là? Genre, partir sur un gris plus comme ça? Je suis obligé de refresh du coup. Juste comme ça. Et donc du coup avoir un gris. J'ai un color picker là. Copier. Et donc là, avoir ça également. Ah, c'est dommage, il est linéaire dans l'autre sens, lui. Quoique, c'est pas si dégueu en vrai. Et là, si j'examine, avoir un background. Un truc comme ça? Ça donne quoi en mobile? Ah ouais, le mobile va être à retravailler par contre.
Du coup, vos avis, s'il vous plaît. Est-ce que pour vous, ça vous semble nice? Après, je peux aussi inverser en haut. Là, au lieu d'avoir... c'est peut-être ça aussi. Hop, hop, hop. Ouais, non, c'est pas... Alors, ça match un poil mieux. Ouais, ou alors, faut vraiment le faire plus clair en bas. Vraiment partir sur du... Ou alors à réinverser le haut. Après, on fait des tests, hein, vraiment. F1. Là, c'est du test. Hein. Ah, faire en fondu, c'est quand même compliqué. Ah, ça va être très, très chiant. En dégradé inverse. Mais faut pas que le fond soit trop clair non plus. Là, je suis à ma limite max du gris clair, quoi. Là, il est même peut-être un poil trop clair pour moi. Là, il serait même mieux pour moi, vous voyez. Après le bas, je peux le... problème, c'est que non, je peux pas dégrader, je peux pas faire en dégradé. Faut que le bas suive cette partie-là, avoir vraiment une couleur très proche. Quand je pars sur une couleur très très proche. Ah, merci pour le follow. Le problème, c'est que le dégradé n'est pas vraiment possible. Ça pourrait être jouable, mais ça serait hyper chiant en vrai. On compare là-dessus. On est d'accord? On va déjà partir. On va là partir là-dessus et après on verra un peu comment ça se passe. Alors, on retrouve notre CSS. Par contre, ça va être du relou. À 4000. Il y en a 4000. Par le BG White. Il y en a 15.
Et mais ça, j'en ai pas besoin de ça. Hop. Moi, j'ai un RGBA. Il me faut le RGB. De la couleur, bougez pas, je la retrouve. Alors, 41,6, 43,1 et 44 RGB. 41,6. Quarante-trois, un et 44,7. Et on va l'appeler PG Gray Main. Du coup, là, il faut qu'on aille dans notre footer. Et en footer classe BG White. Hop. Ensuite, dans notre Valorant, c'est un en fait c'est un thème qui est déjà fait. J'utilise oh. Un CMS. D'accord, Angèle? Yo, Arat. Yo, Arat, pardon. Et Cho Angèle, du coup, plutôt. Ça serait plus réaliste. Alors là, il me faut le SVG relative MT12. Alors ça va être dans le master, je pense. Où le master.twig. Là, j'ai mon linéaire. Ah non, il n'est pas là. Ah, oh, c'est ballot ça. C'est ballot ça. Block main. Où est-ce qu'il va être index? Non, index, t'as juste ça. Index 0 twig peut-être. Index 0. Toujours pas, alors. Va être de chercher un. Ah, divider top. Le problème, ouais, j'enlève le base 21. Tant que j'enlève le base 2021. Ah.
Du coup, on a toutes nos couleurs normalement. Donc on sera pas... Ah, j'en ai oublié un. Ah non, c'est que ça n'a pas pris. Pas pris là. C'est ça que je voulais moi. C'est pas le bon endroit. Pourquoi? Alors je vais vous donner, vous montrer ce que ça donne. Pardon. Voilà ce que ça donne. Alors. Transforme translate moins 2,44. Ah, il y en a d'autres. Le cache. Le cache. Toujours pas mieux, hein. Alors, par contre, j'ai un problème avec le footer, du coup. Footer. Play main. Non, mais c'est color. Pourquoi j'ai... Ok, j'ai un problème de RGBA. Yes. Sur du blanc, c'est mort. Donc. Ouais, en vrai, Osef, hein. Ah là là, on aime ça. Bon, c'est parce que je t'ai mis comme donné. Quarante-deux. On va mettre au proche. 43. Non, mais pourquoi je suis sur le texte gris? Ouais, non, mais c'est pas mieux, en fait. Même pire. À un moment, j'ai... Mais parce que j'étais en 0,100. Ah, j'étais pas sur la bonne unité. 106, 110, 114. C'est pour ça. Voilà. Bonsoir, élu. Voilà. C'est bon. On a retrouvé nos petits. Maintenant, c'est juste retrouver ça. Alors, hop.
pas là. N'existe plus le passe 21. What? Non. Ah. De plus. Delete. Non, cancel. Remove from folder. Ah. Ah, c'est bon. Pour moi, le problème vient de là. De trouver hein, d'où vient le problème. À part ici, en fait, il n'y a nulle part où il y est. Il n'y a nulle part où il est, à part ici. Donc, quand même pénible hein, ce truc là. Faire cacher fait. Terminer l'élément. Et toujours. Il n'y a rien. Hein. Attendez, ce... Hop. Là, il me trouve plus l'autre, donc... Hop. C'est ça, mon problème, ça va être... Alors c'est... je fais des tests. Bon. Absolue. Ah mais c'est pas la bonne. Ah. Ah. Ah, oh, le background. Ok. Ok. Bon, j'ai trouvé.
Dragoon 0, 1. C'est bon. On a retrouvé celui-là par contre. Et non. Hop. Voilà. Quand on veut, on peut. Ah, pardon. Et là, si on va là, un autre linéaire, le background, là, voilà. Container, section. Leading normal, tracking gradient. Ah, c'est section classe. Ah, on va mettre un hop et voilà. Par contre, l'opacité de celui-là est pas ouf. Alors. Et après, si on va sur les autres. Ça marche. Bon, vous en pensez quoi? Pendant que je remets de la musique. Ah! C'est mieux que vous voyez. Dites pas hein, que vous voyez pas, surtout dans le chat. Hein. Avec lui qu'il faudra mettre en main. Il y a deux zones encore à faire. Là, je vais le mettre plutôt en gray examiné. Lui. J'ai gray main. Un 200, je vais le mettre en. Je le mets en 700. Ah, 700, c'est bleu. Ah, je sais pas. Ça jure peut-être un peu quand même.
Ça se fond, c'est pas ouf. Donc, dans l'idée, était en 200, si on le met en 400. Ah, en 400, c'est pas mal. Ça se voit mal, mais... Problème. Pas ouf. Hein. Après, ça, c'est les SVG à modifier, on sent. 500, c'est très bleu. Après, on tire sur le bleu, en fait. Un gray simple. Gray 0. Ah. Non, ça me paraît clair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... 300, ça me paraît bien. Enfin, je pense, hein. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de dire que l'entête et le header et le footer sont pas ouf, hein. Vraiment, hein. Avec le bottom footer est pas ouf. Leader et bottom footer, vous pouvez dire c'est pas ouf. Hein. Vraiment, ce sera pas mal pris. Hein. Pareil, le menu, je vais changer les couleurs. Y a moyen de voir pour que je mette. À voir si c'est jouable. Un rappel du logo. À voir dans quelle mesure c'est jouable, mais un rappel du logo. Alors du coup, est-ce que ça vous semble? Bien évidemment, on ne parle pas des écritures, hein, on parle vraiment des fonds. Je prends le gradient linear 2 en récupérant cette couleur-là. Hop. Mince. Histoire d'avoir le petit rappel au logo. Ouais, on pourrait. Attendez, on pourrait peut-être faire un truc. Ah mais non, ça va être compliqué à faire. Quoique, on va tenter. Tant que vous me donnez votre avis, hein, bien sûr. Alors là.
Peut-être moyen d'avoir un truc là. Blue là qui s'est mis entre les deux. Et j'aime bien l'idée de la barre par contre. Je vous le dis tout de suite. L'idée de la barre. Le petit rappel au logo. Un var scroll partout. Mais non. Je mets partout. Var scroll. Par contre. Ah, 25%. Comment on peut faire All. Non, ça marche pas. Dommage. Ah, j'ai tout pété. J'ai tout pété. Ah, alors pour se foutre de moi quand je pète tout, il y a du monde, mais par contre pour me répondre quand je demande ce que vous en pensez, c'est compliqué. Alors, hop. Ah, paf. Après, pourquoi pas le mettre à la fin? Voir ce que ça donne. Ah, c'est pas ouf. Déjà ça, je vais le garder, le progrès. Donnez pas votre avis, de toute façon. C'est égal à progrès. Voilà.
On a les quatre couleurs du logo. Et donc, pêche, il est pris automatiquement. En vrai, est-ce que je m'embête vraiment à changer les deux? En bas, oui. En bas, oui. Combien? 300? Cent. C'est pas dans navigation, c'est dans. Regarde, le I2. Toute façon, il est là. Tuk tuk tuk. Voilà. Là, on a le progress bar. Où est? Leader, il est là. Text white. Ah, ça doit être un. Ah! C'est du JavaScript. C'est du JS. Roll pause. Voilà. Sans j'ai dit voilà pardon. Il y a un truc, il y a un truc. Hein. Maintenant, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est décaler un peu le truc à gauche. Je dis que ça prend forme, ça prend forme. Vous en pensez quoi du coup?
Et c'est tout à voir, hein. Vous m'entendez ou pas un moment parce que je me pose la question là. De base, le but de le faire en stream, c'est d'avoir un peu d'interactivité avec vous. Demander un peu votre avis. J'avouerai que c'est pour avoir aussi peu de d'interaction. Là, je coupe le stream et puis je fais ça dans mon coin en fait. Ah, il y a un truc qui me gêne quand même. Non mais Anita, c'est pas une question de comprendre quelque chose au code, c'est une question de comprendre. De... Là, je demande si visuellement ça vous paraît correct ou s'il y a des choses à changer. Je vous demande pas de faire le code. Si je ne savais pas le faire ou si je voulais que quelqu'un d'autre le fasse, j'embaucherais un dev. Là, ma question, c'est visuellement, vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, il y a des choses à changer? Et comment? Par exemple, est-ce que vous trouvez que cette partie-là est trop claire? Faut peut-être l'assombrir un peu. Voilà, ma question est là. Dans l'écriture, justement, j'ai dit pour l'instant. On occupe pas. Pour l'instant, on est vraiment sur l'aspect général. Tout ce qui est écriture, par exemple, si le fond qui est là, je ne le garde pas, je le mets par exemple plus clair ou plus sombre, bah, ça sert à rien de changer l'écriture tout de suite. Là, l'idée, c'est vraiment de se demander, est-ce que en termes de couleur, ça match? En termes de fond. Le haut, donc le header, le milieu et le bottom footer. Est-ce que ça match ou pas? Si ça match pas, ben faut améliorer les choses. S'il faut améliorer les choses, ben, honneur de vos avis. Et après, une fois que ça s'est fixé, non, c'est pas compliqué. Parce que les accords de couleur, ben, je peux t'enlever tout le texte. Le texte, une fois que tu l'as, une fois que tu sais sur quelle couleur tu pars au niveau du fond là, de cette partie-là, je parle du fond et de cette partie-là, tu adaptes ton texte. C'est-à-dire que par exemple, si là, le fond est noir, je ne vais pas mettre une écriture noire. Je mettrai une écriture plus claire. Si le fond est blanc, je ne vais pas mettre une écriture blanche. Est une écriture plus sombre. Après, je demande de mettre de côté ces avis de. Enfin, pas le. Ces goûts en couleur, c'est juste est-ce que c'est harmonieux? La question est là. Après, moi, je veux pas un truc bleu, machin, flashy, je veux un truc très sobre. Comme je l'ai fait au début, hein, on peut reprendre les couleurs du logo et faire tout le site avec. Hein. Ça va être dégueulasse. Hein. Je peux le faire. Hein. Ça peut être drôle. Hein. Par exemple, je fais ça, examiner l'élément. Ah, hop. En background color, là. On met là. Hop, donc lui il va passer par-dessus. Je reprends mon color picker.
Hop, voilà. Bah, du coup, ça devient dégueulasse. Et voilà, je peux le faire. Mettre ça en bleu ou même en rouge vidéo. Idéo, plutôt. C'est jouable, hein. Du coup, ça serait plus le haut et le bas, là, qui devraient plus matcher avec le centre pour toi. C'est après, comme j'ai dit, la couleur de texte, je la ferai vraiment à la fin. Une fois que je sais les couleurs, les main couleurs du site, je saurai ce que je veux. Est-ce que je peux faire au niveau des couleurs de texte? Là, clairement, enfin, de toute façon, regarde. Couleur de. Texte gray, 700. Je vais te mettre le texte en blanc, si tu veux. En black, hop. Voilà. Voilà, le texte est en noir, c'est plus dérangeant. En soi, voilà. Ben, le truc, en fait, il faut que ça s'accorde. Une fois que ça s'accorde, il faut que ça et ça, ça s'accorde à ça. Il faudrait peut-être un truc qui match un peu plus là. Le problème, c'est ça, c'est que je pars de très clair à très sombre. Ouais, mais. Enfin, voilà, les vagues. Tu les as sur la main. Hein. Tu les as sur la page d'accueil uniquement. Et juste parce que j'ai ce bloc-là. Après, peut-être quand... bordel. Après, peut-être que... assombrissant légèrement ce linear gradient. Voilà. Ouais, même celui-là, il est pas ouf. Déjà, ça fait moins. Background color, hop, hop. La vague là reprenne aussi cette couleur là. Que c'est mieux comme ça. Le dégradé descendant va être très chiant à faire. C'est ce que je disais à Angèle tout à l'heure, le dégradé descendant, ça va être très chiant à faire. J'ai pas envie. Le problème, c'est que là, j'ai un dégradé de gauche-droite. Refaire un dégradé, je pense que ça va être... Parce que là, tu regardes, voilà. Là. C'est vraiment que la page d'accueil qui a se dégradé là. Évidemment, c'est pas le bon. Ah, punaise.
31, 36, 3A. Je vais me noter. 3A. Hop. Et donc là, on part sur hop, examiner. Ah, hop. Et hop. Ah, 3A. Salut Neptrac. Et ça reste. Ah non, en fait, moi, ce qui me choque, c'est vraiment le haut et le bas. Ou alors, vraiment, pas de différenciation. Ça, je le mets en. Ça, je le mets en plus j'ai. Ça, je laisse en. Un truc qui se fond en vrai. Ah, et lui, je le mets en BG main. Attendez. Et quand on est sur une page comme ça se fond dans le truc. Pas de souci, Anita. Footer en BG main et puis. Ça peut être aussi une idée, hein. Ah, BG. On se retrouve avec un truc beaucoup plus soft. Ou alors on essaie de trouver un gris qui va se rapprocher très proche de lui, mais légèrement plus clair. Pour avoir une toute petite nuance. C'est une possibilité aussi. Ah, alors, hop. Ah, 55. 8. Là, faudrait pas. Petite nuance, par exemple. Oh. Ah. Ouais, mais ce problème, ça, c'est. Ah, j'ai oublié le dièse. Toute petite nuance comme ça, au pire. Ah, hop. Donc là. Ah.
Et oh. Un truc comme ça. Follower depuis le 16 juillet 2019, quand même. Salut Laetitia. Alors, je suis, comme mon pseudo l'indique, c'est marqué ici. Ah oui, mais vous n'avez pas les couleurs depuis tout à l'heure, pardon. Voilà, un truc comme ça. Je suis vidéo. Et je suis. Je fais le mariole sur Twitch. De temps en temps, je fais du stream tech, stream réparation, stream développement. Et des fois, je fais du stream gaming, Undermine, Minecraft, tout ce qui est roguelike, jeu de voiture où je suis très mauvais, mais je m'en fous. Et puis voilà. Je pense que c'est une présentation claire, concise et rapide. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ah, bah après, si ça fait un moment que t'es pas venu aussi. Du coup, quand t'es arrivé, je devais être sur Feed the Patrick, Next Gen. Par rapport à la date, par rapport à la date que tu as indiquée, ça va être l'époque Feed the Patrick. Lancement du serveur, en fait. Bon, du coup, je vais dans ma CSS. Je vais entériner ça. Pardon. Hop. Hop. Du coup, j'ai ma CSS là. Alors, divider. Dans le divider, on n'y touche pas. Faire que je voulais. Alors, il me faut le JS, donc il est là. Et ça va être également le footer. Remain qui où est-ce qu'il est mon second? En gros, tu peux théo quelqu'un de ton choix pendant 3 minutes et c'est dispo une fois par 24 heures. Bonne soirée. Alors, français. Footer en fait, ben, c'est là. Je vais pas faire de href. Href en fait. What? Pourquoi ça le prend pas?
Il fait lui. Erreur quelque part? Problème. Du problème là. Pas de soucis, Neptrac. Pourquoi j'ai un problème? Ah, parce que là, j'ai pas traduit le... Pardon. Hop. Le RGB, c'est un 85-80. Voilà. Major et Anita, du coup. Bon, sans parler des couleurs, on est toujours sur le même principe, sans parler des couleurs de texte. On parle vraiment des couleurs de fond. On va prendre là. 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 Ainsi que la barre. Peu, mais c'est pas grave. Ah, la boutique, elle est là. Le lien est sur le site. Hein. Je vous mets l'URL du site si vous voulez. Pour ceux qui veulent des DDoS, bien évidemment. Du coup, la question c'est qu'en pensez-vous? En vrai, une fois que le design est terminé, une fois que tout le design sera terminé, on pourra. Ah, dommage, Neptrac. Dommage, Neptrac. On pourra push tout ça en ligne. Et une fois que ça sera en ligne, on fera. Ah, j'ai dit pas les écritures, Neptrac. Faut écouter le streamer. J'ai dit pour l'instant tout ce qui est font color, donc couleur de texte. On n'en occupe pas. On est vraiment sur les couleurs de. Donc là, l'entête normale, l'entête scroll. La couleur de la barre de scroll, la couleur de fond là, la couleur de fond là. Et le petit bloc ici. Vraiment ces choses-là où... Il y a une interrogation. Tu payes, on peut s'arranger, Major Cochonou. Ah, c'est vraiment ces parties-là où je voudrais votre avis, savoir si pour vous ça va.
Eh oui, capitaine. J'ai cette réputation, je vais l'entretenir à un moment. Ça peut me rapporter des sous après tout. Capitaine Théo Peppa Pig, pendant... ça c'est combien de temps déjà? D'ailleurs, faut que je le change, ça. Ouais, allez, hop, c'est pas grave. Hop, 1 minute. Les icônes, peut-être plus grosses. Les icônes là, je peux pas trop. J'ai pas trop de place. Hein. Ou alors, faudrait que je dupe. Enfin... Ou alors, je les laisse vraiment que en bas, quoi. Ça m'embête de les laisser que en bas, j'aime bien les avoir en haut en fait. C'est le cas en bas, je pourrais les agrandir, c'est pas un souci. Et le problème, c'est que on est sur une view. On n'est pas sur de la vue. Faudra aussi penser à la vue adaptative. Ah, en carré. Par-dessus les autres. Peut-être. On va aller tester ça. Hein. Socials. Sachant que ça n'a pas beaucoup bougé, Twitch, YouTube, YouTube. Vais faire ça à la dégueulasse, hein, je vous le dis. On va faire ça comme ça. J'ai pas de div là. On peut peut-être faire une div. Un P. Un P là. Avec, toc. Et toc. Non, c'est pas bon. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Classe. Égal. Alors là, ma div, si je lui mets un width. Assez. Pareil. Play inline. Non, ça marche pas, hein. Ça marche pas, hein. Qu'est-ce qui me fait Pourquoi ça m'emmerde? De quoi on dit?
Non, mais je voulais non, Neptrac. Oui, faut accepter le règlement, Laetitia. En réglementation, faut cliquer sur la moule. Ou le inline flex, c'est pas bon. En grid. Ah mais non, ah merde, c'est dommage. L'idée, ça aurait pu être sympa. Hein. Eh bordel. Alors, bloc rubis. X. Un numérique. Ouais, c'est flex, forcément. Un flex. Ah non, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Ah, ça m'énerve. Non, t'inquiète, pas de soucis, Laetitia. Alors, pour les bodies. Alors, je vois ça. On va voir ça. Très emmerdant ça. J'ai pas de weeds là-dessus. Quel dégueulasse. C'est vrai que je... Alors, alors,
Ah, en fait, il faudrait que j'enlève le inline flex sur panneau dessus. Ah. Ah, je peux lui mettre. Bon. Hop. Left. Faudrait que ça donne ça, quoi. Dans l'idée. Puis lui mettre un petit margin top, 25. Ah. Ça marche pas le mage. En fait, Après, le problème de décaler sur le côté, c'est que je suis. Ouais, si, ça peut se faire. Pourquoi il me les met forcément à gauche? Ah, c'est mon float left. Comme ça, sans float. Ou alors je les vire un moment voilà hein. En vrai je vais pas me prendre la tête hein. Ils sont chiants à placer, je les laisse en bas et puis basta quoi. Était encore. Mais d'accord, non, j'ai des petits problèmes. Hop. C'est ça, ouais, je pourrais plus facilement gérer en bas, quoi. Du coup.
pas ça. Finesse, c'est où 9. Point Twig. Donc là, hop, on enlève les sochaux. Et sur ça. Voilà. Après la police, Anita. Ce qui est police, après, on verra. Et une fois qu'on a fixé la base, on va pouvoir se dire, bon, ok. Non, j'ai le numéro direct de la police et de la gendarmerie. J'ai la banque postale qui m'envoie un message. Parce que mon espace est restreint suite à une mise à jour, une non-mise à jour de mon profil. Profil avec un E, bien sûr. Hein. https://.labanquepostale.fr/vtr. Je dirai pas la fin pour pas que vous alliez sur le phishing. Ah, les mecs, ils font vraiment aucun effort. Hein. Ils font aucun effort en termes de phishing, quoi. Non mais enfin. Le mec a même pas fait l'effort de correctement taper https://, quoi. Vraiment pas, quoi. C'est ça qui me fume, moi. Oh, vous en pensez quoi du coup du site comme ça? C'est pareil, le contenu du pied de page, il est pas fait. Il n'y a aucun contenu de page. Bref. Je commence à avoir faim, moi. Je vais me faire des frites ce soir. J'ai des bonnes patates. Moi, j'ai gagné le premier concours Cdiscount. C'est une adresse en @bouygues-telecom.free qui me l'a envoyé. Je pense que tu peux faire confiance, Laetitia. Quelle bande du bas? Alors, si tu parles de cette bande-là, la bande noire, faut pas en prendre compte. Je vous le dis quand même, pour ceux qui sont pas devs, c'est juste ma bande de debug, ça, en fait. Elle là. Hop là. Peut-être sur la page tuto. Ah, celle avec la vague. Il faudrait que je descende. Descende là. La chaise et la vague. C'est ça que tu parles.
Ouais, non, mais après, il va y avoir du contenu, il va y avoir tout ça. Ça, c'est juste l'en-tête, en mode en-tête, quoi. Après, voilà, ça fait. Tu vois, ça donne ça. Il y a le contenu qui va venir là, hein. Aller chercher un lorem ipsum. Tiens. Enfin, j'aurais pu faire ça aussi pour qu'on ait une meilleure, meilleure visibilité. Zoom. L'ipsum generator. Trois paragraphes. Par exemple. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux avoir un peu, un lorem ipsum sur une page, ça peut être pas mal. Bon, une page vide, c'est un peu chiant. Déjà, ça, je vais le virer. Le next, c'est previous page. Ouais, on s'en fout. Parce que... Là, c'est en EN, en plus. Déjà, c'est dans le page. On va le virer. Vu qu'il sert à rien. Dans le bloc, alors last page. Hop. Pas mal. Je cache. C'est le vendor en plus. Merde. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Alors. Là, c'est donc ça va être où?
Ça y est, ça recommence. Alors, les pages, elles vont être où? Steam. Non, ça va être là-dedans. Alors, il va falloir que je modifie. C'est pas impossible. Article, voilà. Alors, article. Tag. Prev next. Connerie, c'est ça qu'il faut que je commente. Yes! Alors, c'est dégueulasse, mais. C'est ça. Alors. Dommage parce que ça me fout une bande là. Peut-être aussi d'avoir ça. Yes, c'est bon. Pardon, je vous montre le code vite fait. En gros, j'ai commenté ça. Hop. Hop. Hop, voilà. On va faire ça un peu plus propre. J'ai commenté cette partie-là. Et du coup, ça nous donne plus le truc prochaine page. Ouais, mais j'aime pas la séparation trop brute. Parce que ça, en fait... ben non, c'est le foot. D'accord, c'est le footer, ouais. Mais non, c'est trop... Une bande, c'est un peu... elle est un peu dégueu, la bande. Faut dire ce qu'il y a. Là, on arrive sur un truc qui commence à prendre de la tronche. Après, le footer, en vrai, est... Attendez, non, tuto qui a du texte. Du coup. En vrai, est-ce que le footer... Si, par exemple, là, au lieu d'un BG main, c'était un BG second. Gray 100, tiens, pour voir. Voilà. Pour différencier les trucs. Ça que tu voudrais dire, Anita? Avoir un truc. Merci pour le follow. Oui, mais non, pas en blanc, mais dans l'idée, avoir une séparation comme ça, je veux dire. Alors, j'ai dézoomé à balle. Hein. Donc, en gros, on aurait le menu en tête là. Là, on a machin, le title, le texte, le footer et le bottom footer. Allez, hop, ça banne. Mais vous me cassez les pieds. J'ai dit pas de dégradé vertical. Écoutez un peu le streamer. Allez. Petit AFK, vous avez gagné. Ah.
Alors, pas des verticalum. Je vais te ban, Crétinus. À toute. Heureux. Oui, j'ai conscience, la musique est forte. Voilà. Du coup. Est-ce que c'est ce que tu ce que tu entendais Anita dans le sens. Ah oui, oui, qu'on voit bien les différentes zones. Pardon, j'avais pas vu ton message. Après, on peut partir sur un truc à poil plus clair que ça. Il y a un sang, mais par exemple. Vas-y, il est comme ça. Partir sur un... Et déjà... Et le problème, c'est qu'on risque d'être sur du trop bleuté après. On va voir un truc comme ça. Bon allez, 3 minutes pour le Cuphead. On va voir un truc comme ça. Ce que vous en pensez, du coup. Comme tu as mis trois plombs. Quoi? Pas compris, Anita. Ou alors, vraiment, c'était pas le bon chat. Pour Hélène et Luna. Ah d'accord. Pardon. Excusez-moi, monsieur... Monsieur dame. Un peu trop proche. Le but, c'est pas non plus d'avoir une trop grosse...
trop grosse dissonance des couleurs. Hein. Qui ont du mal à voir les couleurs. Ouais, c'est pas faux. Après, le problème, c'est que moi, mon moniteur est réglé d'une certaine manière. Et si je mets sur un autre moniteur, pas du tout la même... même règle, le même... aperçu. Ça, qui est chiant aussi. En général... Faudrait une comment? C'est pas con ça, quelqu'un qui a du mal à voir les couleurs, avoir un contraste élevé, un mode contraste élevé. Au pire, ça réglerait le problème, Anita. Alors par contre, je vais clairement plus me faire chier à le développer. Non mais par contre, je veux bien votre avis en vrai. Je parlais d'avoir un mode contraste élevé pour les personnes qui auraient des problèmes de vue, de couleur. Un contraste élevé, en fait, Neptrac. Là, on va faire un troisième background dans la CSS. Alors là. Et on va les récupérer. D'hexadécimal, bien évidemment. 94, 100, 104. 14. Footer, donc dans le footer. Là. Là. Hop. Hop. Voilà.
Re-Angèle. Renap, Anita. Bon. Vous parlez comment tout ça? Bon, là, faut rajouter des blocs, hein. Calmez-vous. C'est que là, ça matche pas trop, mais. Alors du coup, le footer, est-ce qu'on se le ferait pas un coup là? Est-ce qu'on se le ferait pas? Alors, en vrai, si. Off. Voilà. En vrai, juste avoir la recherche, c'est bien aussi. Là, il y a marqué pass search. Il n'y a pas la. What? Oh, on n'a pas la trad. C'est nul. Il va falloir mettre un if. Déjà, le texte. Ah, en fait, c'est marqué en dur. Éléments. Alors. Est-ce que le texte en blanc serait pas une bonne idée? Ah, quoique, est-ce que le texte en noir se lit bien pour vous? Il vaut mieux. Salut Éclair au chocolat. Oh.
Qu'en pensez-vous du texte blanc comme ça? Ah bah dans 5 minutes c'est fini, Darky. Non, même ouais, un peu plus. 21h je coupe. Ça fait depuis lundi que je suis dessus, Darky Kim, et je reprends. Et demain 18h. Je continuerai. Et les rediffs sont dépubliés pour la plupart. Je vais les remettre en ligne sur YouTube, la chaîne réparation. Mais ça m'appelle même plus la chaîne réparation, mais la chaîne tech. Je l'ai rename. De toute façon, après, on aura... On aura du taf à faire en termes de... Ah, quoique. On aura du taf à faire en... Même en mobile, en fait, c'est pas si dégueu. Ah, si dégueu. Merci Darky Kim pour ton abonnement, ton 16e abonnement. Bonne soirée, Darky Kim. Alors, pourquoi ? Il me le remet, ce truc-là, lui. Ah, merci. Ah, mais du coup, le texte est plus en blanc. Ah, le texte est plus en blanc. Faut trouver où il est. Ce sera une des dernières choses qu'on fera. Alors. En vrai, de vrai, de... Ensuite, passer X, ok. Alors que je le vire en fait. Ah, va falloir trouver où il est. Ça m'a l'air d'être dans le main, ça.
Bref, je viens de voir l'heure. J'ai faim. Hop. Du coup, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Je te retrouve. On se retrouve. Demain. Pour la suite du dev du site. Je vais vous envoyer chez Monsieur MLDEG. Faire bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure, ça va dépendre de mon état. Je te vois. Tout à l'heure, peut-être. Peut-être à minuit, selon si je suis fatigué ou pas. Sinon, ça sera demain 18h. La bonne soirée, des bisous, ciao, ciao.